Il est 8h25 ce matin quand le tram arrive aux abords de l'arrêt Chazal. Un piéton, écouteur sur les oreilles, traverse alors. Le chauffeur a beau freiner, c'est la dramatique collision. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agissait d'une personne qui se livrait à son jogging matinal avec des écouteurs sur les oreilles, qui n'aura probablement pas entendu le tram arriver. Le tram est là sur site propre, et la personne a traversé le site propre au moment où le tram arrivait. Et donc elle a été renversée et traînée sur plusieurs mètres par le tram. Jamais d'écouteurs en marchant, c'est le conseil que je donne à tous les piétons, parce que tout de même l'oreille, les yeux sont essentiels, mais les oreilles aussi. Pendant une grande partie de la matinée, la circulation des trams a été perturbée et remplacée par des bus. Les secours auront en effet mis près d'une demi-heure pour dégager la victime coincée sous le tram. Il y a eu une déviation sur la ligne, on ne sait pas pourquoi. On attend vraiment depuis longtemps. Depuis 8h du matin, on est en attente, donc aucune idée. On attend. Les médecins qui sont intervenus sur place nous ont signalé que les jours de la personne étaient en danger, étaient emportés à l'hôpital où elle reste en traitement, évidemment. La circulation sur le boulevard Lambermont en direction de Mézières a été chaotique jusqu'à 11h. Après ce nouvel accident, la police et la STIB le rappellent, un tram est toujours prioritaire et les écouteurs proscrits aux abords des carrefours.